Plus de buts hier soir sur la pelouse du Parc des Sports de Caen. Des internationaux dans chaque équipe, dont deux joueurs ayant participé à la dernière Coupe du Monde côté uruguayen, le numéro 10 Ibanez et le 14 Gomez. Et un du côté allemand, le numéro 5 et capitaine de Brême, Schutz. Les Allemands sont tous de blanc vêtus. Et comme vous pouvez le constater, les joueurs entrèrent dans le vif du sujet dès la première minute de jeu. Les Uruguayens se montrèrent les plus dangereux, mais ce sont les Allemands qui marqueront les premiers sur contre-attaque. But marqué par Tellen, 1-0 pour Brême. L'égalisation surviendra 4 minutes plus tard. Ibanez, rodant dans les 18 mètres, reprend une balle perdue par la défense allemande. 1-1, et ce n'est pas fini. À la 38e minute de jeu, les Uruguayens vont de nouveau marquer. Sur cette action, ils obtiennent un corner. La réparation est adroitement tirée. Ibanez, encore lui seul à 25 mètres des buts, déclenche un tir terrible. Le gardien allemand s'incline une seconde fois. 2-1, ce sera le score au repos. À la reprise, on attend l'égalisation des Allemands, mais en vain. Et ce sont les joueurs de Montevideo qui, au contraire, vont réussir de nouveaux buts. Le premier marqué sur une montée offensive de l'arrière-droit Rivero. 3-1, il reste 15 minutes à jouer, plus qu'il n'en faut pour marquer un quatrième but. Il sera l'œuvre de Latvada, merveilleusement servi par Gomez. 4-1, l'addition est lourde, mais le score est toutefois logique.